Bonjour, bonjour, mon frère, ma sœur. Demeure béni au nom de Jésus. Je crois que tu t'es bien réveillé par la grâce de Dieu. Et je demande au Saint-Esprit en ce moment même de venir te couvrir de sa glorieuse présence. Alors nous sommes toujours rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te parler de quelque chose ce matin. J'aimerais te parler de l'adoration. L'adoration est une attitude. L'adoration est un cœur à cœur, une intimité. L'adoration est un moment où Dieu se donne à toi et toi également tu te donnes à Dieu. Alors nous allons tout simplement ce matin lui donner tout ce que nous sommes en l'adorant, en épanchant nos cœurs vers lui, en lui rendant toute la gloire, afin que cette même gloire se manifeste dans chacune de nos vies, afin qu'il puisse se révéler à chacun d'entre nous. Car lorsque nous l'adorons, le Seigneur se révèle à nous, il nous donne quelque chose. Et c'est avec ce qu'il te donne que tu vas et que tu transformes ton environnement. Alléluia. Alors ce matin, cherchons le Seigneur en l'adorant de tout notre cœur. De tout notre cœur. Alors même si toi, tu es malade, même si tu vis des difficultés, même si tu as mal au cœur, je t'en supplie, adore avec moi. Adore avec moi et tu te trouveras surpris que quand tu auras fini d'adorer, le mal en lui-même va te quitter. Parce que le mal ne peut pas habiter avec la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Les yeux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal. À la bonté du Seigneur, à jamais tu seras. Tu nous fais entrer dans tes parvis. Non seulement tu nous fais entrer dans tes parvis, tu nous fais entrer dans le lieu saint de ta présence, mais surtout tu nous fais entrer dans le saint des saints, dans l'intimité de ta présence, dans la gloire de ton règne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut expérimenter encore ce matin? Alors adore encore avec moi le Seigneur des Seigneurs, celui qui s'est donné à la croix pour nous, l'agneau de Dieu, celui qui a été offert pour nos péchés et pour nos fautes, celui qui a porté le fardeau de nos souffrances et de nos fautes, celui qui est allé à la croix aux yeux de toute l'humanité, aux yeux du monde des ténèbres qui ricanait, mais qui ne savait pas le plan de Dieu derrière cela. Alors Jésus a payé le prix de son sang pour toi. Jésus a payé le prix de sa vie pour toi. Alors qu'est-ce qui te retient jusqu'à présent pour l'adorer? Alors je te prie de tourner ton regard,
de tourner ta vie vers lui et de l'adorer en ce matin. Alléluia. Seigneur Jésus, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 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 Car toi seul en es digne. Alléluia. Frère bien-aimé, ma sœur, je te souhaite une merveilleuse journée dans la présence du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.